parliez de l'importance de l'attente, d'attendre. Donc, ce que je voulais demander, c'est pourquoi cette attente? Pourquoi doit-on attendre comme ça? Pourquoi ça ne peut pas être sans attendre pendant longtemps? Merci. Je n'ai pas parlé d'attendre pendant longtemps. Je parlais de l'attente en tant que qualité, pas en tant que temps. Je parlais juste de l'attente en tant que qualité en vous, pas de combien de temps vous avez attendu. Vous vous agitez, vous êtes agité et vous attendez pendant 1000 ans, ce n'est pas bon. Vous êtes agité et vous attendez pendant 10 000 ans, qu'est-ce que ça veut dire? Ça ne veut rien dire. Ça veut juste dire que vous perdez votre temps. L'attente en tant que qualité, vous attendez simplement. Vous ne pouvez attendre quelqu'un ou quelque chose que quand vous n'avez pas une haute idée de vous-même. Si vous n'êtes absolument rien, vous pouvez attendre n'importe quoi. Si vous avez une trop haute idée de vous-même, vous ne pouvez pas attendre quoi ou qui que ce soit. Vous verrez, plus les gens deviennent éduqués, plus les gens deviennent riches, ils ne peuvent pas attendre. L'avez-vous remarqué? Les gens qui n'ont pas une haute idée d'eux-mêmes, vous demandez à un villageois qui arrive ici, vous lui dites « Attendez juste, il va simplement rester assis là toute la journée. » Mais vous demandez à un homme éduqué d'attendre. En une minute, il va regarder sa montre 5 fois. Parce qu'il ne peut pas attendre, parce qu'il a une trop haute idée de lui-même. Celui qui n'a pas une haute idée de lui-même peut simplement attendre. Et si vous comprenez les proportions de ce que vous êtes dans cette existence, vous sauriez qu'il n'y a pas d'autre moyen que d'attendre. Maintenant, quand je dis vos proportions, vous êtes un grain comparé au cosmos, n'est-ce pas? Vous feriez mieux d'attendre. Si vous ne savez pas comment attendre, vous ne saurez rien. Parce qu'en proportion, par rapport à l'existence, vous êtes trop petit. Vous ne pouvez rien faire. Pouvez-vous faire quelque chose? Si vous sautez partout, qu'obtenez-vous? Vous n'obtenez rien. Vous pouvez gagner de l'hypertension, mais vous n'obtiendrez rien d'autre. Donc je ne vous demande pas d'attendre, il n'y a simplement rien d'autre à faire. Ce n'est pas mon idée que vous devriez attendre. Si vous pouviez aller le chercher, je dirais allez le chercher. Vous ne pouvez pas aller le chercher, donc vous feriez mieux d'attendre. Si vous êtes très riche et capable, vous allez au magasin et obtenez ce que vous voulez. Si vous êtes pauvre, que faites-vous? Vous allez attendre devant le magasin de rationnement. Ils vont dire qu'ils ouvrent à 10 heures. Ils ouvrent toujours à 12h30 seulement. Mais vous attendez, votre sac à la main, parce que si vous n'attendez pas, il y a 100 personnes derrière vous, vous allez terminer dans les derniers. Vous allez devoir attendre toute la journée. Donc vous allez attendre. Pourquoi? Parce que vous êtes incapable de faire autre chose. Là, maintenant, regardez votre position dans l'existence. Êtes-vous capable de quoi que ce soit d'autre que d'attendre? L'êtes-vous? Je vous le demande. Par rapport à l'existence, êtes-vous capable de faire quoi que ce soit d'autre que d'attendre? C'est tout ce que vous pouvez faire. Au moins, faites-le dans la joie. Juste attendre. Donc, attendre n'est pas une question de temps. Attendre est une certaine qualité. C'est une certaine façon d'être. Et cela n'est possible que quand vous comprenez vos proportions dans l'existence. Si vous avez de drôles d'idées dans votre tête, vous ne pouvez pas attendre. Vous avez un sens exagéré de qui vous êtes, vous ne pouvez pas attendre. Si vous pensez que vous êtes un roi, vous ne pouvez pas attendre. Quand vous voyez la réalité de qui vous êtes dans cette existence, alors seulement vous pouvez attendre. L'attente apparaît parce que
vous avez perçu la réalité telle qu'elle est. Vous êtes incapable d'attendre parce que votre mental est plein de fantasmes. La perception va naturellement mener à l'attente.